Bonjour, Indonésie. Bonjour, Sinta. Bonjour. Sinta est en train de recharger les offrandes qu'elle va amener partout dans la propriété. Et aujourd'hui, c'est une cérémonie qui se passe tous les 15 jours, toutes les deux semaines. Et les gens vont à la plage pour se relaxer en famille, pour quoi dire d'autre. Mais qu'est-ce qu'elle est belle avec ses petites joues. Ouais. À dire, ici, c'est de l'eau sacrée. Le temple. Allez, c'est parti. Good morning. Ça, ce sont des petites fleurs de mangue. C'est tout petit. Ces noix de coco jaunes sont très spéciales. Ça pousse pas partout. Ils utilisent ça pour leur cérémonie. C'est, comment on dit, well regarded. Ils y font très attention. Voilà. Sorte de, comme je vous avais dit, l'eau qui vient du temple, l'eau de coco qui est à l'intérieur est très prisée. Donc on mange pas et on le boit pas. Hey, vous voulez de la papaye? Ben voilà. C'est un arbre assez spécial, hein. Les feuilles ont une forme spéciale. Et voilà les papayes qui poussent, des tas. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et quand elles deviennent un peu jaunes, c'est le moment de les couper, de les ramasser. Voilà. C'est très, très bon pour la digestion. Il y a beaucoup de bonnes enzymes à l'intérieur. Ah! No! You cannot blow it up! Why? It's not allowed to blow it up because it's called flaming. Oops. I made a mistake. Sinta fait ça tous les jours. Il n'y a que les femmes qui le font. Et quand elles ont leur menstruation, elles ne peuvent pas le faire. Donc quelqu'un d'autre prend le relais. Voilà, elle est là-bas. Vous vous rappelez la dernière fois où on faisait l'arak, la production d'arak? Elle est juste en bas. Et ça, c'est la route principale qui va autour de l'île. On peut faire le tour de l'île en 8 à 10 heures de route. Voilà, tout ça, ça appartient à sa famille. Là, elle va prier. Il y a un grand pont et les gens qui vivent autour du pont doivent également donner des offrandes au pont pour enlever les mauvais esprits. Elle revient avec ses belles petites joues. Cet arbre, vous savez ce que c'est? Ça produit ce genre de fruits.
Et on va faire des produits avec. Allez, essayez de me trouver le nom. Je vous avais dit que aujourd'hui je vous amènerai dans la ferme de cacaoyer, malheureusement. Le monsieur Ketout, pas Ketout, a reçu 1000 noix de coco à planter. Donc tout le village aujourd'hui est un peu occupé pendant les 2-3 prochains jours. Donc ce sera sûrement dimanche. Voilà. C'est pas grave, j'ai trouvé quand même une cabosse. On va essayer de l'ouvrir pour savoir si c'est bon. Je pense pas que ce soit bon à l'intérieur, elle est déjà un peu vieille. On va. Yeah, always curious. Happy days. Et voilà. Ça n'est plus bon. C'est toujours un peu sucré, mais comme vous voyez, ça pousse déjà à l'intérieur. Voilà. On va essayer de replanter ça de l'autre côté du mur. C'est de prendre quand même une qui n'a pas grandi. Il n'y a pas beaucoup de jus à l'intérieur. C'est sucré. Ça ressemble un peu à litchi, à du litchi, à du rambutan aussi, les fruits. Je vous en dirai plus plus tard sur la fermentation, comment ça se passe. Certainement dimanche. Ouais. Voilà, c'était le vlog numéro 28 avec la belle participation de une et deux joues. Elle aime pas parce qu'elle a pas mis encore le. Elle a pas encore mis son maquillage. Donc je suis obligé de mettre les mains comme ça. Voilà. Ça, c'est le père de Cinta. Il est en train de regarder. Le combien d'alcool il y a dans les dernières productions d'Arak. L'Arak le matin, c'est super bon. Vous avez jamais vu ce genre de banane. Longue et fine. Change pas de couleur. Elles restent vertes, mais elles sont bonnes. Elles ont un goût vraiment différent. Alors voilà. À demain. À demain. Kissou kissou. Ok. Je vous aime. Passez une bonne journée. Énergie positive de Bali. Avec un petit peu des petits views. Ciao.